Mais toi, tu dis puzzle ou tu dis puzzle? Non, c'est important, j'ai besoin de le savoir pour ce jeu que je vais vous présenter en preview aujourd'hui. Il s'appelle Everforward. C'est joli? Ouais, c'est joli. Et dans Everforward, on nous promet donc puzzle, puzzle. Et aventure. Et c'est une petite preview que j'ai partagée avec vous. Et qui marche pas au pad, et ça serait moche. J'ai mon cube compagnon, je sais pas à quoi il sert. On va dire c'est comme dans Ico, il va m'ouvrir des portes. Ouais? Allez, on fait ça. J'ai ce Boudil avec ses petits crabes tout mignons. Regardez-moi ça. Avec un petit problème de clipping, mais ça va. Et je ne peux pas aller ailleurs que là-bas, bien entendu. Je peux sauter. Courir, ce serait bien. Non. 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 Je ne peux que sauter. Ok. Cucube, reste avec moi. Qu'est-ce qui se paye ici? Alors les gars, je vous explique. Si vous m'expliquez pas justement, on va pas y arriver. Comment dire? Je ne comprends pas bien, mais je suis sûr que vous comprenez pas mieux, donc je me v'là rassurer, quoi, c'est génial. Je crois que je viens d'avoir un trip, un gros trip, et je suis passé dans un autre univers directement, sans plus d'explications, et je cours pieds nus sur ces dalles froides et bleues. Oui, le bleu inspire le froid, et je vais vers la lumière, une fois de plus. Qui me permet d'activer une dalle où m'attend. D'accord, faut pas que je m'en approche. Ouh, j'ai très peur. Je suis super bien la petite fille. Hein. Oui, ben, je vais prendre une voix encore plus légère de la voir. J'ai vraiment peur. Je crois que cette chose pourrait me vouloir du mal. Je vais m'en aller tout doucement. J'ai pas lu. Ok, faut pas que je me fasse détecter donc par ces robots. Tu peux accélérer mes mères. Ah non, j'ai reset le tableau, zut, c'est ça que ça voulait dire les gâchettes. Dakodak. Donc deux choses à retenir. Première règle. Ne pas lui donner à manger après une nuit. Non, c'est pas un gremlins. Bon. Vous pouvez lui filer à bouffer. Et première règle, elle a les foies de ces choses. Ces choses sont méchantes. Et quand elle passe à côté, elle bouge deux fois plus lentement que d'habitude. Heureusement, elle peut interagir avec ce cube. Heureusement, elle peut interagir avec ce cube. Heureusement, elle peut interagir avec ce cube. Heureusement qu'on y est arrivé à la troisième fois parce que là j'allais désespérer un peu. Et du coup, elle emmène son cube à l'endroit où il est prédestiné. Alors, je suis un peu moqueur, hein, du jeu pour l'instant parce que ouais, on sait pas trop ce que ça bidouille. Je vais où là? Hop, t'es morte. Ok. Ah bah il faut apprendre le jeu au début. Hein. Donc cette fois je vais me méfier. Oui, je vais faire ça. Et si j'amène la dalle et que... Ah, putain, saleté.
On passe à fond la caisse, hop. Et voilà, on a amené le cube. Ok. Ça me rappelle vaguement un jeu que je vous ai déjà chroniqué. Où il fallait déplacer des. Pareil, des objets pour activer des zones. Et le principe était similaire, on avait des souvenirs hein, qui se rassemblaient. Alors c'est vrai que cette preview débat un petit peu de rue parce qu'on n'a pas la scène d'intro. En fait, il se trouve que la petite fille, je crois qu'elle subit un accident où il y a une embrouille comme ça. Ou elle perd ses parents dans un accident, je sais plus. C'est une scène que vous pouvez voir sur le trailer du jeu. Et pour continuer à vous donner des éléments, faut savoir que. Mon cube, il vient. Faut savoir que au moment où je publierai cette vidéo, la démo sera peut-être encore disponible. Vous pourrez peut-être l'essayer. Oui, c'est toujours mieux d'essayer soi-même. Alors j'ai ça, mais ça c'est pas un ami. J'ai ça, mais je sais pas à quoi ça sert. Et j'ai ça dans lequel mettre mon cube. On en prendra un. Ok, j'en prends un. Je devrais l'amener là-bas, mais pour l'amener là-bas. Voilà, tout qui s'est déclenché. What the what? Pas d'interaction. Ok, je peux jeter le cube, donc c'est pas mal. Hop là. Ça a l'air un peu vénère. Et puis ça bouge vite. Hein. Ah, c'est bon, c'est calmé. Le cube, je suis bon pour l'abandonner. Là, je le récupère pas, celui-là. Non, je m'en vais. Alors du coup, je me demande à quel public s'adresse ce jeu, puisque il y a de la réflexion. C'est l'histoire d'une petite fille, mais j'ai pas de cube pour activer ça, moi. Ah, donc je peux en reprendre un, si ça c'est pas le bonheur. Donc du coup, le jeu pour l'instant est simple. Mais du coup, je suis en train de chercher à quel public il s'adresse, si c'est pour les mômes, ou si c'est un petit peu plus mature, genre ado. Tout en fait va dépendre de la difficulté des énigmes. Et si je reste coincé, ça veut dire que ça s'adresse aux ados. Alors, c'est plutôt chouette comme design, mais je sais pas, il y a un je ne sais quoi qui manquerait. Je vais appeler le CPQ. CPQ. Oh putain, d'accord. Reviens, reviens, reviens.
Alors je vous rappelle qu'on est sur une bêta, hein, donc il manque des sons, des trucs comme ça. C'est un peu normal. Ah, du calme. Hop là, tendrement. Ouais, ça c'est pas cool. Ah, je disais, ça c'est pas cool. Je me mets où moi? Il va se tourner, il va se tourner vers moi. Faudrait que je jette le cube, probablement. Alors je peux sauter, et je peux, et je peux, et je peux. Est-ce que je peux voyager avec mon cube et le drone en même temps? Ça c'est une bonne question. Non, ça c'est une très mauvaise idée. Ah putain, mais t'avais pas pire à faire. Ok. Donc toi. Non mais arrête de faire ça s'il te plaît. Ah ça c'est saving. Ça c'est putain, c'est pour lancer, faut que j'arrête avec ça. Voilà, ça c'est fait. Donc ça doit être le Y pour appeler le drone. Mais quand j'ai ça, je peux pas appeler le drone. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir lui faire comme blague à lui? Je pense que c'est pour les ados ce jeu. Non? Je demande. Je vais le balancer sur la gueule. C'est une bonne idée, non? Parce que je vois pas d'endroit où insérer ce truc. Tiens, le copain. Ah ben ça, c'est un remerciement. Voilà. Hop, et moi, je vais longer le mur. J'aime pas quand c'est une évidence comme ça. Aïe. Non, non, je passe, je passe. J'ai pas pigé ce qu'il fallait faire avec ça. Si je lui donne, il va me faire de la misère. Si je lui jette dessus, il est vraiment pas content, quoi. Doit y avoir une évidence que j'ai pas saisie, qui me fait de la peine, du coup. Je pourrais balancer le cube hors du tableau. Quoique, il va rebondir, ça se trouve. Quand je suis là, qu'est-ce que je vois, moi? C'est ça la question. This is the question, man. Allez, passe. Bon, bah, les amis, ce sera tout pour cette démo de Ever Forward, qui est très jolie, mais si vous avez des mômes de 8 ans, dites-leur de m'envoyer un tweet avec la soluce. Je vois que ça, ma affaire. Je vois que ça. Les amis, je suis au regret de vous informer que nous allons nous séparer ici sur ce fell magistral et que tous vos mômes vont rigoler très très fort puisque eux ont compris comment on passait, moi pas. C'était la preview de Ever Forward et je pourrais pas aller plus forward aujourd'hui, je suis désolé. Donc on n'en saura pas plus. Apparemment c'est des énigmes, ça rappelle un autre jeu dont je vais vous mettre un cruste vidéo qui est pas très vieux, le principe est bien inspiré je trouve. Reste à savoir maintenant si l'aventure va être longue et passionnante. Et alors ça, c'est une autre histoire. Playlist. Playlist. Bouton d'abonnement. Ciao.